Salut, aujourd'hui c'est Fist67 et Ah non, en fait c'est pas ça. Salut, aujourd'hui c'est Jimmy Bro et je suis là avec Bros Garage. En fait, j'attends d'être rejoint par Camille et Capen. Et on va faire un truc que nous attendions tous, surtout moi, surtout mes ailes, surtout mes pneus. C'est mettre des putains d'extensions d'ailes, les fenders qui ont été présentés par Julien, enfin par Fizz et récupérés il y a pas longtemps. Donc voilà, opération pause, mesure, essayer de faire un truc propre et surtout symétrique, j'y crois pas. Et puis utiliser des outils que j'affectionne tout particulièrement, c'est-à-dire 6 sabres. Lapidaire. Et voilà. Donc on enchaîne là-dessus plus rapidement possible. Et toi? Et toi? Ça vient? Ce monstre. Bon là on est en mode. On essaie de mettre une surface en bande cache, je trouvais plus le mot, pour tracer à peu près la position des fenders. C'est pas évident de trouver la position parce que c'est des universels du coup pour que ça aille pile poil avec la courbure de la Miata, c'est pas évident. On a trouvé une position qui est pas dégueu. Maintenant, on va essayer de tracer ça sur la bande cache et puis de faire un truc propre. La première, ça a peut-être été évident. Après, faire pareil de l'autre côté, ça sera pas la même. On est sur la qualité là. Ouais. Grave. Ça c'est. Ça, petit c'est... coup de fibre après là. Grave. Hop. Avec ton doigt. Là. Ah ouais. Tu lui arrives à ton wad. Je lui ai mis un coup de mandoline. T'en fais une belle de mandoline, tiens. Non. C'est quoi une mandoline? C'est les planches à découper comme ça avec la lame. C'est... Ça donne du goût, planche, c'est le truc qui est pour faire les rondelles de concombre. Ah, ok. Tu comprends? C'était quoi ça? C'est de la merde. Un élan en rut, ça compte ou pas? Un élan en rut. Voilà, ta belle feuille de papier pour pouvoir faire. Non, mais laisse comme ça en fait, c'est bon, comme ça les pneus ils touchent plus directement l'aile, je suis content. Rien. Fitment. On avait espéré un truc à peu près. Ah, un peu plus. Il fallait un petit peu plus tourné comme ça. Comment ça? Comme ça? Ouais. Je crois que c'était un poil plus comme ça. Non, on est trop bas. On est jamais assez bas. T'es bien toi? Ouais. Là c'est bon? Bah là c'est pas mal là. Bon bah voilà, tout ça faut l'enlever maintenant. Non, justement, faut pas faire la boulette de dire hey, allez, c'est bon, coup. Je suis à l'école, je vais le découper là. Bah non en fait. Sinon tu faut anticiper plus. Que là surtout pas. Tu vas mettre des beaux rivets ou des belles vis, donc faut découper quoi je sais pas, 5 cm en dessous. Non, on va voir. Une fois qu'elle sera posée, de toute façon, faut la poser, la riveter. Une fois qu'elle est posée, faut passer limite en dessous et faire un trait, tu vois, comme ça. OK, j'ai même, la une fois qu'on a fait les trous comme ça. Tu regardes où c'est et faut couper tout ce qu'il y a en dessous quoi. On refera un beau tracé si on veut. Au pire, on s'aidera d'un fender comme ça, comme gabarit pour faire un beau truc. On va enlever, mais on va pas enlever tant que ça quand tu regardes. Mais ça suffira à pas mais toucher. Genre là, t'es sûr de toi là? Ça y est, là tu veux. Ah ouais? Oh, tu sais, il m'en faut pas grand chose. Regarde. Ça devient naturel. Genre. C'est naturellement au bon endroit. D'accord. C'est pas fait. Cet endroit là, pas de place au doute, ok, parce que je vais couper ma voiture pour la deuxième fois de ma vie et ça me fait très mal au cœur. Cet endroit là, remets ton aile là. Cet endroit là, là où il y a ta main gauche, juste au dessus de ton doigt là. Là je le dessine très bien avec la caméra, mais ouais, ici en fait, ouais. Ce niveau là, ça va flotter, ça va bailler. Quoi? Ça sera attaché là? Ah oui, mais du coup, je sais pas, un coup tu voulais pas, un coup tu veux. Si, je pense qu'on va couper là le fenders. Ok. Là, on va le mettre dans le pare-choc arrière. Ça va tiendre l'ensemble. Mmh. Et je pense que je vais couper le fenders par là. Mais c'est pas une perceuse ça? Mais elle est là la perceuse. Depuis tout à l'heure, il chante, ouais. Je vais chercher la perceuse. Excuse, vas-y. Non, je me suis dit parce que je voudrais lever un petit peu pour éviter de couper le pneu, tu vois. Attends, il finit son explication. Pardon. Oui monsieur. Non mais c'est bon, même pas ouais. Je pense que je vais le couper après la fixation ici. Comme ça de derrière on va voir le pneu qui dépasse un peu. C'est pas déconnant, ouais. Et il sera quand même couvert par dessus. Et on a vraiment l'aile qui passe juste au dessus. Ça sera propre. De toute façon dans les kits ils font tout le temps ça. Donc ça rend bien, oui. Voilà. On est en France, on est pas aux États-Unis. Mais on est aux États-Unis, regarde, y'a du soleil, y'a des Miata, et on y a des réglé, préludes, hein. Y'a une Camry. On est aux States mec, grave. Do it. Just do it. Do it. Oh. Au calme, au calme, il va faire des trous et découper ses ailes, mais là, comme ça. Il n'y a pas de place à l'hésitation. T'as beaucoup de mémoire sur ton téléphone? Je sais pas,
D'accord. Moi, je sais pas, Julien, il a dit ouais, filmez tout le temps. Même entre temps, quand on se touche un peu la nouille, il fait des pauses, quoi. Hein, ouais, c'est... genre là, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, faire pause. Ouais, vas-y, de toute façon, il a déjà un doigt de péter. Là, là, là. Là. Bon, alors. Un trou de plus, un trou de moins. Eh, sent trop bien. Bah, je fais ce que je peux, hein. C'est vrai que. Ah, ça s'appelle centrer, ça. C'est pas mal. Ouais. Non, mais après, faut dire que voilà, il y aura des. Oui, des ratés. Nico Mouk. Okay. Hein, t'as compris? Comprends-tu mon langage? Ceci est fait par des professionnels. Alors, hein. Et ma perceuse, elle est branlante? Elle est branlante, ma perceuse? Non, ok, Camille, calme-toi. Voilà. On l'aime, ta perceuse. Hein, quand même. Cette perceuse est une clé à choc. Une clé à choc de provenance Lidl qui a fait l'impossible. Elle a fait toutes les bagnoles des bros, à peu près. Hein, clairement. T'es vraiment un pompier, toi. Grave. Grave. Il t'imagine qu'ils sont graves. Crap. Je fume comme un connard en plus. Moi je vous regarde. Hein. Oh, moi je. Positionne, hein, qui fait des petits traits. Hein. Je vais bien là, un peu plus serré, plus dans le passage de roue. Je suis assez d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que sinon en fait le Thunder il va avoir une forme bizarre. C'est ça. Tu vois, je verrais bien qu'il soit vraiment ici. Ouais. Un peu plus. On va refaire un trait. Ouais. Parce que sinon ça va faire fade. Ouais, vas-y. Là-dessus je suis d'accord. Julien il a dit parler fort aussi. Hein. Ouais, bah on parle fort. Parce que moi en fait j'ai parlé fort tout à l'heure, mais ça devait faire saturer le micro. Peut-être il fait un gros troll. RIP les écouteurs de Julien. Oh mais maintenant je sais plus où on passe. Ça y est, ça commence à être le bordel. Là tu suis ton trait, vas-y, tu suis ton trait, t'es pas mal. Ça c'est le premier essai. Et on est rendu décalé comme ça carrément, hein. Supérieur, intérieur, ouais c'est ça. Sinon tu fais une flèche. C'est une flèche pour désigner quel... Ah, j'aurais pas pensé comme ça, mais ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Pas trop. J'aurais pas pensé comme ça, mais Pas du tout. Mais oui, on accepte. Qu'est-ce qu'il fait? Il me dessine des ups sur... Mais... Putain, y'a pas de bande cache là! Ah si! Par contre, par contre, les gars, juste comme ça, faut pas traîner quand même aujourd'hui, parce que je suis un peu speed niveau timing. Ouais, on sait, ouais. Bon, on fait ça? Tu vas partir à Vannes avec des trous, quoi. Tu pars à Vannes? Ouais. Tu vas comment? Bah, en alpha. Et puis en car. Caravane, merci. Oh, merci, c'est rigolo. Ouais. Dans cette caravane, bon, Raphaël sort de ce corps. Bon, là, on va faire des trous pour de vrai dans une voiture qui est pour de vrai à moi, que je suis pas confiant du tout. Et quand même, faut se rendre compte que voilà, ça c'est le bordel. On va mettre arrivé là, c'est-à-dire que tout ça on peut le couper quoi. Genre là, on va pouvoir faire des zigzags aussi. Au moins là. Tu vas ouais. pouvoir faire. Non, mais je suis pas con, je vais faire comme ça, regarde. On va mettre ça comme ça, je vais faire genre, on va refaire un trait et puis. Ouais, monsieur. Je vais. C'est Michel. Jean-Michel faire des trous, c'est mon job, c'est ça? Ah! Il y a un truc qui. Une remarque. Ok. J'ai le droit de la fumer là, ma clope? Je suis pas confiant du tout, hein. Je tiens à le dire. Je suis pas bien. Est-ce que j'ai envie de te dire? Est-ce que quelqu'un a un pointeau, s'il vous plaît? T'as t'es pas con, toi. Quoi, t'as peur que ma. J'ai pas envie de glisser. Ouais, que ça passe. C'est que ça passe. Bah ouais, mec, c'est les premiers qui sont foireux, tu sais. T'as pas un pointeau? Non. Ou un marteau? Non. Tu peux taper sur un forêt si tu veux. Ouais, c'est fait, ça. Mais pour ça, je demande un marteau en fait. Ouais, maintenant faut le trouver le marteau. Non, prends ta chaussure, prends une babouche. Bah non. Toi, je trouve, depuis que tu traînes. Tu dérives à mort. Ouais. Non, mais quand je dis prends babouche, je parle du singe d'Andorra, mec. Ouais, c'est ça. Tu prends le singe du coup? On trouve moi ça, tu vois, Martel. Je vous assure que je me mords les couilles à chaque fois que je fais ça. Hein. Ah! Imaginez qu'un mec fait ça avec des clés, quoi. Sur votre voiture. J'avoue. T'as glissé un peu, je crois. Ouais, j'ai un peu glissé. Mais... Un ça peu. Ça va, c'est au Tu veux pas percer un trou plus fin? Grandir après? Bah pourquoi pas? Si, on va faire comme ça. Autant bien faire les choses du premier coup. En vrai, je suis pas bien. Tu vois, il est bien. Moi aussi, je serais mal hein, quand même. Ouais, c'est pour ça que vous avez remarqué, les bros sont toujours là pour vous. Que dalle. Tu stresses, hein? Que dalle. Tu c'est stresses, un mensonge. Hein? Ils sont là pour te regarder faire de la merde. Ah là, mais grave. Bon bah de toute façon maintenant c'est fini. Hein. Non. Non
Je vais faire des petits trous partout. C'est propre là. Faut bien se dire un truc, tout ce qui est sous la ligne, c'est pas grave. Ok? Ça se verra jamais. Grave. Ça y est, ouais, ça va être bien. Le pneu. Non, c'est l'autre. Côté, il y a ces conduites de carburant tout à l'intérieur. De l'autre côté. Oh. Tu vois ce que je veux dire. Hey, je suis en train de penser que... Ah non, en fait, non, j'ai une mauvaise idée. Non, vas-y, balance ce que tu veux. Non, c'était une mauvaise idée. Non, c'était une connerie. En fait, l'idée est bonne, ouais. Mais l'idée est une connerie en même temps. Allez, vas-y, balance. C'est... Elle est mal réfléchie. En fait, je me suis dit, hey, tu décolles bien le truc, tu le colles de l'autre côté. Non. Oui, mais non. Bah ouais mais non. Je sais pas sur quoi t'as pointé derrière. Mais... Je sais pas sur quoi j'ai pointé mais y'a un truc qui est plus dur que le pare-choc. Ah merde. Moi je veux ça. Sur la tienne. Non. Le jour où j'aurai des sous pour acheter des jantes beaucoup plus fat. Ouais. Bon. Moins 50 quoi. Attends, tu fais plus gros là? Ouais, bah oui, mais très bien. Je m'amuse comme un petit fou. Hein, je... Enfin, tu as l'air de t'amuser d'un air quand même très. Là, j'ai envie de dire, ça sent même la bémol quoi. Ah, il y avait peut-être la vis de pare-choc en dessous. C'est possible. Non, il tient. Tout ce qu'on fait est très réfléchi, hein, bien entendu. En fait, tu nous as quand même envoyé un message d'une heure et tu nous as dit. Je fais gaffe à vous, les gars. Venez, les gars, on prépare. C'est quoi, tout derrière. Bah, c'est pas ton passage de roue. Il doit y avoir Julien derrière. Il est con. Oh là là. Oh. It's in. Là, c'est dedans. T'as vu, elle donne même des chocs pour faire ouais, pour vivre. C'est assez flippant quand même. Non, reviens frère. Reviens. Là, c'est... Je suis même pas dans le bas de caisse. T'as tourné dans l'autre sens. Non, mais dans l'autre sens. Mais c'est tu t'es pris un coup de pression là quand même. Hein. Un peu. Grave. Merde, non, mais à ce stade, de... forêt à vite. À ce stade, j'ai un coup de pression sur tout et n'importe quoi. Frère. C'est... Bon, bah là, techniquement, on enlève la bande. Non. Bah si. Mais aussi, non. Non. Faut faire les coupes avant. Non. Tu fais ta courbe aussi. Ouais, grave. Ah, la Miata, elle court vachement bizarrement, tu vois. Ouais, là, on est... un jour. Ici, en fait, il faudrait en mettre un là. Il est un peu haut. Ah ouais. Mais non, mais il est un peu haut parce que du coup, mais tu vois, prenne sa forme. Non, mais si je le plaque bien, tu vois, il fait un peu haut. De toute façon, elle fera comme ça, c'est obligé, elle pourra jamais fitter plat hein, parce que là, c'est creux. Bah ouais, bah alors c'est du coup. Et si après on colle là, on met une bande. Ah, et sinon, non, j'ai envie de dire, on peut peut-être chauffer le fender pour essayer de le ramollir et puis le problème, c'est qu'il faudra le laisser dans une forme après. Ouais. Bah tu sais, le chauffer à la pause. Ou alors sinon on remet un autre rivet ici, tu vois, genre... Vas-y, fais voir aux gens ce que ça donne là. Il faut clipser comme ça. Eh, tu me diras, avec les pics, c'est assez violent. Hein. Ça fait très Mad Max. Hein. Donc là, on est sur quelque chose... De bien branlant derrière. Ouais. Non, mais c'est pas mal. En fait, si on compare... À l'autre côté, on voit bien... La jante, le pneu qui ressort correctement. Et là, ça ressort plus. Là, c'est CTI fiable. Et là, c'est... c'est plus badass. On est sur quelque chose qui est un peu plus à fleur. Il est vachement évasé, en fait, à l'arrière. T'en penses quoi, toi, Dim? Ta caisse, hein. J'en pense que, de toute façon, c'est percé. Donc, j'ai pas trop le choix, mais... Eh, mais ça, c'est une putain de remarque, ça. Ouais. Maintenant que c'est fait, t'es dans le caca, quoi. Bah ouais. Non, c'est bien. Faut imaginer sans le cul du truc parce que là on va le couper là sans, ouais, comme ça tu veux le couper comme ça, ouais, comme ça par là, là. Comme ça là, ouais. C'est pas mal hein. Ouais, non, c'est bien là comme ça. Attends, ouais, non, mais là c'est pas mal ça. Oh la vache, t'enlèves pas mal hein. Oh la vache quand même, ouais, c'est ouais. Bien hein. Même là, tu vois,
Ouais, bah, même ici, là, c'est correct. Tu... Même ici, tu vois, attends, tu peux faire ça. Là, on sent Dimi dans une concentration telle. C'est un peu... Cette correction. Ouais, bah, c'est une correction en temps réel. Toutes les machines le font, tu vois, pas. Moi, je... C'est vrai, c'est vrai. Hop là, moi, j'ai envie de dire, voilà. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Après, on n'est pas obligé d'aller jusque là. Hein. Tu... Ouais, voilà. Le pneu, il touche jamais là. Hein. C'est là qui fait chier. On peut limite même faire ça. Tu vois, genre... Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Genre, comme ça, ici, il y a un endroit où il y a une bonne matière pour bien que le rivet tienne. Ah, ici, il faut faire ça. Bah là, on va couper. Bah non, parce que là, t'as ton support de pare-choc à cet endroit-là. Donc il faut, ouais, il faut que tu viennes couper ici. Comment on le fait couper? Comme ça, regarde. Droit? Tiens là. Comme ça. Après, t'es pas obligé de faire un truc propre, hein. Ça se verra pas. Tu peux enlever le max de matière, hein, comme ça. Hein. Tu peux faire plus droit. Bah, là, de toute façon, c'est assez. Ouh, ça se verra pas, hein. On s'en branle. Voilà, là on se rend bien compte. Mais... Du coup, t'as pris le lapidaire ou la sabre? J'ai la sabre et le lapidaire. Bon. Et... je me suis fait baiser. Y a pas. Y a rien. Y a zéro. Mais j'approuve quand même. Ça a quand même un goût d'apéro. Un petit peu, quoi. C'est l'apéro chez Cam, quoi. C'est. C'est la pébro. Ah, l'autre. Eh, l'autre, il est chaud. Eh, putain, pendant qu'il y en a qui essayent de goûter des bières sans alcool, il y en a un qui... Bah, le timing est tendu, alors. Moi, je suis tendu aussi. Oh, Natacha. Natacha, t'es tendu. Bah, moi, je suis très tendu, là, tu vois. Je fais tout ce qu'il faut pas, tout en même temps, le même jour. C'est bon. Non, je t'ai... Non, bah, on va quand même... Tu veux que je pose le téléphone et je te fais un coup de main, là? Ouais, hein, je veux bien. On va prendre des cotes et on va faire ça à peu près propre. Vas-y. Ah, oh, la jeunesse. Ah là là. Qu'est-ce qu'on a fait de la merde avec des scooters? Non, moi j'étais sage. Allez, viens, on achète tous des scooters et des 50 et mec, on fait bon garage. J'ai tellement envie, go mon back gars. In time, grave. Putain, me choper un petit spiate ou un petit zip de merde. Moi je me reprendrais bien comme j'avais avant un stunt. Non, mec, moi maintenant je réfléchis performance, tu vois. Il faudrait que tu perces plus fort, plus loin avec ça. Moi je perche je regarde la performance, mec. Nitro, refroidissement liquide, tout mais ça. Oui, mais non, mais faut un... ce qu'il y a derrière, mais puis là t'arrives, tu fais ta coupe là, ouais, comme ça ou comme ça? Non, comme ça. Ouais, comme ça, faut qu'on voit le pneu derrière. Ta coupe là, ouais, en biais pas trop mais droit. Comme quand t'as celles qui sont là, tu vois, et puis t'as les ailes qui arrivent large et ouais, elles sont coupées là et les mecs ils ont coupé derrière. Et bim. Ouais, ouais, tu pourras faire même la même chose à l'avant. Oh, mais maman. When I see you again. Ta-da-da. Tu-tu-tu. Eh, vas-y, eh. Tu me tiens au jus. Tu me mets au courant, quoi. Eh, ça y est, t'es branché. Merci. Maintenant, je suis au courant. Vous voyez ce qu'on supporte tous les jours. Hein. Eh. Tiens, Dimi, comme ça, tu seras au courant. Une prise. C'est pas possible. Na. Je suis pas encore au bout du rouleau. Putain, mais ferme là. Putain. C'est toi qui a commencé. C'est toi qui a commencé. Non, c'est toi qui a commencé. C'est toi qui a commencé. Non, c'est toi. Non, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Pour le moment, on fait les rigolos là, mais en fait, c'était que dalle là. On faisait les petits trous. Oui, mais là, on faisait les enfants, après, quoi. Hein. Voilà. Ça, on apprend ça, on est en 5ème, en techno, on fait des trous pour faire des porte-clés lumineux. Maintenant, on va faire du vrai boulot là. À couper de la tôle. En vrai, il est trop chaud. En vrai? En vrai? En vrai, il est trop chaud. En vrai, j'ai déjà martyrisé la caisse pour poser l'arceau, donc. À la fin, je tapais au burin. Là, il fait le malin. Ouais, et puis il va déraper sur son aile. Et là, il fait le malin, mais dans pas longtemps, il va être pas serein parce là, qu'il va devoir démarrer la 6. Il va faire une petite marque. Dans le fond, du ok. Là, tu vois, il y a une sécurité pour les débiles. Ah, c'est ça. Ah. Qu'est-ce que c'est que la sécurité? On va pas te couper. J'active ça. J'ai compris. Comment ça marche?
me demande juste si c'est une bonne lame. Oh oui. Est-ce que c'est du couteau à beurre ou... Bah c'est ça, est-ce que, parce que vu que c'est tout blanc, je me dis est-ce qu'elle a vraiment coupé de la, mais, de la ferraille ou du plâtre à la dernière fois, donc... Oui. Ouf. Ouf. La gueule des experts. Ouf. Ouf. Quand un mec te dit ça, c'est qu'il sait pas. Je vous le dis tout de suite. Ouf. Ouf. Si un mec autour de vous qui parle comme ça, c'est qu'il n'y connaît rien. La bonne position, pas du tout. Attends, j'ai envie de passer devant. Voilà. Attends! Je me mets en position caméramage. 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 On va peut-être dire enlever tout ce qui est par bout d'abord. Bah non, moi ça suivra le mouvement. Oh là là là. RIP. C'est costaud quand même. Par contre, à tourner, mon pote, il va pleurer. C'est ce que je me dis. Ce que je vais faire, c'est que limite, je vais faire des encoches. Bah, comme ils font tous, et après, ils tapent. C'est vraiment pas fait pour être utilisé dans ce sens-là, bordel. Hein. Ah ouais? On est bien d'accord que cette lame ne coupe pas. Ouais, je pense que tu tapes dans du beurre là. Ouais, c'est clair. Là, je pense que la lame n'est pas appropriée. Round 2. Deuxième outil. Là, là. Pas que le premier marche pas, mais bon, ce qu'on sait jamais, on dit peut-être qu'on peut faire mieux. Putain, on dirait un bon bag mountain. C'est inefficace. Sans effet. Voilà, sans effet Pikachu. Essaye autre chose. Hein. Non mais la CISAP c'est pas mal. Hein. Je pense. Lapidage, hein. Je pense quand même à Julien qui va se taper les roches avec les bruits. Grave. Allez, bisous. Hein. On t'aime Julien. Enfin pas trop. Mec, vas-y au lapidaire, ça ira plus vite. Quoi? Ouais, lapidage. Oh, mec, hey, tu découpes en polygone. Écoute-moi, c'est ce connard qui dit t'es bon en lapidaire. Mais déjà, c'est le mec, ils veulent pas ton bien. Oh là là. Hey, honnêtement, je suis bon en lapidaire aussi, hein, s'il faut. Honnêtement. Non, c'est vrai. Je suis pas du genre, je suis pas fleuriste, je me jette pas des fleurs. Je vais faire un bug pour lapidaire. Mais je suis pas mauvais avec un lapidaire. Il y a marqué Inosk. On peut couper de l'inosque avec ça. Inosque. Exact. T'en fais un beau d'inosque. Inosque. Cure. Bon, alors là, beaucoup moins safe, beaucoup moins cool. Cool. Oh. J'aime que vous. C'est doux, oui. Bon, déjà, genre, ouais. De lapidage. Je peux pas me mettre là, du coup. Oh putain, moi non plus, je vais pas me mettre là. Vraiment gaffe à vos gueules. Hein. J'aime pas. Du coup, faudrait relisser. Est-ce que vous connaissez un bon soudeur? Là on est d'accord, l'aile, elle ressemble plus à rien du tout. On va quand même essayer de traiter un peu. Si par contre tu peux refaire vite fait une petite finition et puis tu... Ouais, carrément. Alors ne faites pas ça chez vous, portez des gants, portez des lunettes, protection auditive aussi si vous pouvez, vêtements ininflammables bien entendu, tout ce qu'on fait pas. Faut bien enlever la roue et tout. Ouais. Why can't I breathe?
dites stop à la rouille. Stop la rouille. Bonjour. Avait changé d'avis, c'est trop tard. C'est trop tard. It's too late to pooja. Too late. Yeah. 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 Alors, t'es content de ta réalisation? Ah là, je suis heureux, mon gars. Laisse tomber quoi. J'ai toujours rêvé d'avoir une Miata 4x4. Pas mal, pas mal du tout. Oh là là, on aurait pu faire l'effort de faire quelque chose de symétrique quand même et de beau avec une belle arche. C'est beau. Si, il faut changer l'embout. C'est trop gros pour lui. Quand ça passe pas, ça passe quand même. Arrête, je suis maltraité. Dis-toi là. Il faut un marteau. Et là, ce bout là, j'avoue, le fitment est monstre. Non, tu peux même la rabaisser. Derrière, t'auras les trucs apparents comme ça. Franchement, c'est ouais, bien ouais. Propre. Avoir avec les dos, tout ça, mais ouais, c'est clean. Là, tu vois, j'ai envie de dire maintenant si tu veux vérifier si c'est bien droit. Enfin, non, franchement, c'est bonne taille. Non, je préfère pas. Non, je vais pas le faire. Je veux pas regarder si c'est droit. C'est une horrible erreur. Jamais faire ça. Salut à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec Camille. Et moi-même, pas qu'à peine aujourd'hui, parce que du coup on a un autre jour, alors on a fini l'arrière. Et maintenant, on va s'attaquer à l'avant. Bon, clairement, c'est voilà, petite tonnelle, tout ça, on est bien en grosse garage. Parce que il y a des averses, c'est relou de bosser sous la flotte. Donc, bon, la dernière fois c'était sous le soleil, là c'est la flotte. C'est moins les States d'un seul coup là. mais voilà, donc là on a commencé même méthode. On a recouvert l'aile de bande cache pour pouvoir après dessiner dessus tranquillement. Donc là voilà, on s'amusait à faire nos petits dessins. Hein. On est niveau CP quoi, maternelle, grande section à peu près. Hein, c'est voilà, ça. Là carrément. Surtout, on dépasse pas les bords. On s'est dit, on va faire comme la première fois. On positionne les ailes à l'œil. Cette fois-ci, l'enjeu du truc, on va dire la grosse partie qu'il faut pas négliger, c'est le fait qu'on va braquer les roues. Que moi, c'est pour une utilisation piste, donc quand je vais vraiment être en appui, je l'ai déjà vu sur les photos qu'on a pris de la bagnole quand elle était en appui, tout ça. Voilà, la bagnole prend quand même un peu de roulis malgré les barres anti-roulis, tout ça, les amortisseurs se compriment. Donc les pneus se rapprochent vachement des ailes. Donc côté stance, c'est cool, mais là-dessus, je vais arracher les extensions si on se met trop bas. Le problème, c'est si je me mets trop bas pour que ce soit beau, voilà, une fois qu'on braque un peu les ailes, bah on va se retrouver avec un clash. Là, ça peut passer au repos. Enfin, imaginons qu'on soit vraiment stance plus bas, je veux dire, tu vois, comme ça, ça passerait. Mais dès que je vais être en appui, la roue va remonter, enfin, la caisse va s'écraser sur la roue. Et puis voilà, je vais tout arracher, quoi. On a fait 2-3 essais en braquant les roues, dans quel sens, si ça frottait ici ou pas. Donc là, on est pas mal. On s'est fait la silhouette à peu près extérieure du fender sur l'aile. On a percé les deux fenders avec notre superbe Lidl machine. Cette belle machine est à vous pour la maudite somme de je sais pas combien. 49 euros. Une clé à choc Parkside avec laquelle on a tout fait. Qui te déboulonne des poulies de Villebrequin depuis 15 ans. Grave, franchement, elle a tout fait cette chose. Donc voilà, donc en gros, là c'est la marque qu'on va suivre. Là c'est les perçages qu'on a, du coup, on a en positionnant le fender, hein, on avait fait les trous dedans, donc on a mis à peu près. Bon, on n'a pas trouvé de rallonge parce qu'il a passé sa rallonge à un voisin. Donc, système D. C'est un aspirateur, il me semble. Ouais. C'est un aspirateur de professionnel, je sais pas, ouais. Ouais. Et dessus, il y a une prise. Donc en fait, on ramène l'aspirateur jusqu'ici pour après brancher le lapidaire.
Puis du coup, bah, pendant ce temps, Camille, il va aspirer dans la voiture. Bah, on sait jamais, hein. Bon, bah voilà. On a enlevé le passage de roue qui frottait énormément, qui était défoncé. Puis de toute façon, je lui ai mis un coup de lapidaire au passage, donc voilà. Et là, l'aile qui est découpée. Donc, hop là. Ici, le bout d'aile. Et puis, bah, voilà. Là, l'objectif, ça va être de. D'enlever, on va dire, tout ce qui est arête vive et traiter contre la rouille. Parce que bon, derrière, on enlève la peinture, on enlève tout ce qui est vernis, tout ce qui est protection. Donc on va essayer de traiter un minimum. On n'est pas des pros là-dessus, faut pas déconner, mais voilà quoi. Donc ponçage, Framéto. Et puis ça devrait être bon. Bon, par contre, comparé à la première fois, on a vraiment fait ça à l'arrache, genre t-shirt, c'est tout. Là, j'ai ramené un petit peu de protection quand même. Donc les bouchons d'oreilles et un masque qu'on m'a prêté qui couvre tout le visage. Bon, je vais pas réussir à vous montrer une main, mais couvre tout le visage au moins, donc voilà. Les gants, bon, je vais être honnête, franchement, je vais pas en mettre parce que là, j'ai pas de gants en ma position qui pourra arrêter de toute façon la lapidaire. Si c'est les gants en plastique, ils vont être niqués pareil. Mes gants anti-coupure, franchement, je pense qu'ils vont y passer de la même façon contre un lapidaire. T'es donc sûr que tu voilà pas quoi. Des gants en nitrile de chez Lidl. Non plus. Des gants MAPED, pourquoi pas. Non, non. Donc ça va être bon, déjà voilà, couvert intégralement. Et puis casque et bouchon d'oreille, ça sera déjà pas mal du tout. Et deux ailes sont découpées, traitées au Framéto. Bon, traitées comme des gorées, hein, au Framéto. Oh là là. Pour ce dimanche, on est crevé, hein. On n'en peut plus. De nos semaines, là, entre le boulot et la bricole. Je vais tenter le cric, je ne le connais pas. Je vais tenter un desserrage à une main. Attends deux secondes, hein, parce que moi, j'ai les mains dans les ailes. Oh putain, non, je le fais pas comme ça, c'est mort. On va gagner un peu de jeu. Un peu beaucoup, ouais. Comme à l'arrière, au début, c'est horrible. Mais quand ça va être fini, ça va être bien sale. Comme il faut, quoi. L'assiette globale de la voiture est pas parfaite. Du coup, niveau positionnement des ailes, franchement, gauche-droite, on est vraiment bon. Mais on voit que. Alors, cette aile-ci, elle est un petit peu. On va dire, le pneu est un petit peu plus bas ici. Je sais pas si je suis clair. Je veux dire, de ce côté-là, la voiture est plus haute que de l'autre côté. Vous allez voir. Ici. Voilà, c'est trop cool. J'ai essayé d'éviter un floutage de plaque de merde à Julien. Et là, voilà, je pense que ici, fitment, t'es plus violent. Mais il faudra sans doute relever parce que, comme je disais, sur piste, en tournant les roues, faut pas qu'on. On va essayer de tourner les roues, tiens. Tiens, film, je vais essayer de tourner les roues. C'est millimétré, hein. À l'avant, c'est bon. À l'avant, c'est bon. T'as le passage de roue par contre qui frotte, faut le refixer. T'as un morceau de passage de roue. Ah, il y a le chien qui s'excite. Ouais, tac. Il y a juste là-bas où c'est millimétré, mais ça va. Il y a le passage de Julien enlevé. Oh. Oh, 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 oh. Violent pour tous les roues. Oh, oh, oh. J'étais en train de parler, il avait arrêté de filmer en fait. Je viens d'arrêter de filmer. Donc je disais, je suis hyper. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Hey, hey. Bon voilà, alors du coup c'est fini, c'est bon, on a fait un petit tour. Bon, ça passait pas pile poil sur l'avant gauche. On était un petit peu emmerdé. Comme je vous l'ai dit, l'assiette elle est pas parfaite de la caisse. Donc on frottait. Donc bah directement démonter, rehausser. Et puis dans la foulée, bah réessayer, nickel. Donc bah voilà, voilà le résultat. Moi personnellement je suis super content du résultat. À l'essai c'est bon, ça frotte plus dans les ronds-points, dans les appuis, tout ça c'est vraiment pas mal. Et puis bah l'esthétique est cool donc je suis content. Tu l'es de Camille. Voilà, donc à la prochaine pour une autre vidéo avec Camille qui s'est barré comme un enculé. Et puis bah Capen et Fizz quand ils auront le temps. Voilà.